Coucou tout le monde, nouvelle journée, nouveau vlog. Donc nous sommes mardi 28 février et il est 22h13-14. C'est parce que je regarde le micro-ondes et il n'est pas à l'heure. Je fais ma vaisselle seulement. Mais bon, au moins j'aurai pas à faire demain. Donc pourquoi je vous prends seulement à cette heure-ci? Je vous ai quand même filmé plusieurs choses aujourd'hui, je sais même pas quoi. J'ai pas encore regardé vraiment. Mais à chaque fois que je veux vous filmer ou vous prendre, je suis toujours embêtée. Voilà. Donc au bout d'un moment ça m'énerve, donc je filme plus parce que puis je vous prends pas. Parce que je peux pas faire comme je veux. À chaque fois, c'est soit il y a quelqu'un qui descend, voilà, je commence à filmer et ça descend. Soit c'est maman, j'ai ça, maman, je veux ça, maman, je veux ça. Donc en fait, à chaque fois, je ne peux pas, ou quelqu'un passe devant la caméra, etc. Donc je ne peux jamais. Qui descend là? C'est Camille. J'ai pu avoir chez soi. Quoi? Quand on a soif, faut boire. Farine, t'es 55. Voilà pourquoi je vous filme pas beaucoup et pourquoi j'ai pas filmé grand chose, parce que je suis toujours dérangée. Je vais même dire chouchou, j'ai dit ça me saoule parce qu'à chaque fois que je veux filmer, il y a quelqu'un qui passe devant la caméra. Donc soit Matt, et puis bah, il fait pas exprès, mais comme il veut pas être vu, bah du coup il va falloir que je coupe. Soit Mel, mais elle est torse nue, donc il va falloir que je coupe. Soit tout le monde y parle, soit il y a de la musique, soit... Donc ça va pas. Tu fais gourou? Mais ça, tu ne manges plus. Je veux faire un bateau la vaisselle. Moment, tu veux faire la vaisselle avec moi? Elle est en ce moment, elle veut beaucoup t'aider. Est-ce que tu vas mieux? Oui. Un peu. Ouais, pas trop. Hein. Ouais. Elle est pas en forme encore. Pour l'instant, il n'y a pas de fièvre. Mais je vous ai... Du coup, je vous ai pas dit, mais j'ai passé encore une sale nuit. On n'a pas dormi avant 3h du matin. Parce que, ben, elle râle du fait qu'elle a son nez bouché. Vous voyez, je peux pas parler. Elle râle parce qu'elle a son nez bouché. Donc, j'ai dormi toute la nuit. En fait, elle a dormi sur mon bras. Elle était comme ça sur mon bras. Après, je l'ai retirée. Elle me dit, tu peux laisser ton bras. Donc, j'étais comme ça. Et Stella, elle était sur moi. Alors, je dis, bah, super, je vais dormir comme ça. Et j'ai demandé à Chouchou, d'ailleurs, quand il est descendu ce matin, si j'étais vraiment encore dans la même position. Il m'a dit, ouais, t'étais bien comme ça. Par contre, je veux bien que tu mettes mon cœur, mais il reste des casseroles et tout à la vie, tu ne vas pas y arriver. Si. Non, pas trop. Merci. Pour moi, pas de 2 heures, les sécunes. Je t'ai déboire. J'ai mal au bout. Ouais, mais je crois qu'elle est sèche en plus. J'avais toujours. Tu veux faire quoi, mon cœur? Ah, mais tu peux pas laver ça, tu vas pas y arriver. Mais au pire, je lave ça, je vais quelque chose. Moi, j'avais du chocolat. Je lave la maison, pire. Vous lavez la maison? Oui. J'ai essayé de débarrasser encore du coup le plus gros, mais j'ai pas fait grand chose parce que je vous dis, tous les 5 minutes, c'est maman, j'ai faim, maman, du chocolat. Maman, je peux faire ça, maman, je peux aller prendre mon pain, maman, tu peux me faire voir. Maman, t'as vu, c'est pas maman, c'est Camille. Ça court d'aller à l'ordi. Ouais, et je lui donne quoi? Comme d'hab. Du pss-pss. Du cola. Hein? Tu veux quoi, du pss-pss ou du cola? Coca. Ok. du pss-pss ou du cola? Bah du coca. Un jour j'arriverai à vous prendre tranquillement. Au calme. Bah hier. Toute seule. Hein? Hier. T'as fait la vidéo. Bon, tu parles. J'étais pas toute seule et Mel elle a pas arrêté. Elle a fait quoi? Arrêtez pas de sauter partout et de jouer au cerceau, ça claquait dans le mur. Ah mais elle, on dirait un truc de vous, de toute façon, elle est toujours en train de sauter. Je sais même pas si je vais la mettre en ligne, je vais regarder si elle est bien ou pas. Du coup, tu l'as triée en même temps. Hein? Tu l'as triée en même temps. Quoi? Oh non, bah si, juste des tickets. Ben, il est déjà pris. Il ne rentrera pas au frigo. Oui, mais il est chaud un peu. Il ne rentre pas. Voilà.
Et la paille. Du coup, j'ai même dit à Chouchou, je dis avec tout le monde qui parle toute la journée, qui descend, qui met de la musique, qui saute partout, et que j'ai pas le temps de filmer. Je dis en fait, j'ai même pas le temps non plus de trier ma maison. Je dis, je vais jamais y arriver. Il m'a dit, mais si, tu vas y arriver. Il dit pas demain, mais tu vas y arriver. J'ai regardé, belle. Voilà quoi. Ah, il y en a une, elle est partie. Elle est inspecter dans mes cartons, je vais vous montrer ce que j'ai trié encore. Après, il y a du linge que Camille a trié. Il n'y a plus de sushi. S'il n'y en a pas dans le panier, c'est qu'il n'y en a plus. C'est bon ça. Je vais vous, enfin, je vais pas vous montrer le linge que Camille a trié, mais elle a trié un sac de linge. Je vais pas faire voir chaque vêtement. Il n'y a pas grand chose. Il y a quelque chose à vendre. Non. Dans le carton de vente, parce que j'ai un carton où j'ai fait carton rouge que je vais essayer de vendre, parce que vu qu'il n'y a jamais la plus de vente, de toute façon. Maman, il y a un carton qui a donné. Et après, il y a du linge à donner. Il a trop bien fait. Vas-y, maman, fais-le. Mathieu, il a volé ma crêpe en forme de cœur. Il a pas mangé. Si, ce matin. C'est une petite qui a mangé. Il m'a dit, Cam, c'est toi qui as fait le cœur. J'ai dit, ouais, c'est pour moi. Il a dit, ok, je la prends. Il est trop beau le nounours, sa mère. Bon, il est 22h30, je viens de finir ma vaisselle, comme ça déjà je serai tranquille demain matin. Je vais aller nettoyer mon gaz, débarrasser mes plans de travail et tout. Je vous dis, j'ai le bordel partout, ça m'énerve. Là j'ai, je sais pas si vous voyez, les planches du lit. L'ancien lit d'Alexis qui était là-bas à l'entrée. Et j'ai débarrassé en fait les planches et tout. Et là j'ai juste mis le petit siège, le deuxième petit siège que Mimi elle va dedans aussi. Je l'ai juste mis là-bas dans le coin. J'ai enlevé aussi le truc avec les affaires d'école d'Alexis et je l'ai mis de l'autre côté, à côté de la verrière en fait, pour éviter que les chats vont manger les câbles. Du coup, ce matin, ce que je vous ai filmé, c'est quand j'ai pendu mon linge, que j'ai fait un peu les poussières, tout ça, mais j'ai dû couper, comme je vous dis, plusieurs fois. Donc j'ai nettoyé, j'ai fait toutes les poussières de la salle à manger, j'ai nettoyé mes meubles et tout. Ensuite, je me suis occupée de Princesse, donc j'ai été mettre les trois chatounes dans ma chambre, le temps de laisser Princesse se promener pendant une bonne heure. Et elle ne voulait plus après aller dans sa cage. J'ai galéré à la faire aller dans sa cage, mais pour les chats, ils en avaient marre d'être en haut. Et la petite merdeuse, elle m'a mangé mon câble de téléphone, de chargeur. Elle l'a mangé à deux endroits. En plus, il était branché, donc elle a eu de la chance quand même de ne pas se prendre un coup de jus. Elle l'a mangé à deux endroits. Il est mort. Hein, donc, voilà. Là, j'ai dû aller chercher celui de ma chambre parce que ben, sinon, j'ai plus de batterie. Et là, c'est vraiment mon dernier câble. Il va falloir que je m'en recommande un ou quoi parce que sinon, je n'ai plus de chargeur. Déjà, c'était le chargeur de... En fait, celui-là, moi, il restait toujours branché dans ma chambre. Comme ça, j'étais tranquille. Et là, j'utilisais celui de mail en bas pour le mien et le téléphone à mail aussi. Et ben, comme ça, il n'y en a plus. Il n'y a plus que l'embout, mais il n'y a plus le câble. Voilà. Sinon, le téléphone à mail, on n'arrive plus du tout à connecter Internet. On ne sait pas pourquoi. Elle regardait tout à l'heure, elle était prendre son bain et tout. Elle a regardé des vidéos. Et là, plus moyen. Je ne sais pas pourquoi. Il ne veut plus du tout se connecter à Internet. Wi-Fi non connecté. Je comprends pas pourquoi il veut plus du tout se connecter en fait. Ça écrit connexion enregistrée. Mais
Voilà. Et ça recharge. Ça écrit enregistré, mais ça marche pas. Ça recharge. Connexion. Enregistré. Et ça se met pas en fait. Et ça veut pas, je sais pas pourquoi. Voilà, connexion. Enregistré, ça fait toujours pareil, hein, mais ça fonctionne pas. Et des fois, au bout d'un moment, il me met autre chose. Il veut pas. Il y a encore quelqu'un qui descend. Ça va faire que ça. Et là, vous voyez, il me trouve plus. Là, il me trouve plus du tout l'appareil. Je sais pas du tout pourquoi il me fait ça. Hein. Chouchou, il avait éteint tout à l'heure, il a réussi à le remettre et ça s'est redéconnecté. Il était sur le radiateur quand on l'a tiré. Là, ça a écrit enregistré, vous voyez, mais il se met pas, il veut pas se mettre. Je sais pas pourquoi. Il cherche. Même si j'éteins et que je rallume. Utiliser le wifi. Je sais pas pourquoi. Même Chouchou, bah, du coup, je suis montée. Je lui dis pourquoi je dis ça ne refonctionne plus. Il me dit t'es sûr que les choses n'ont pas mangé le câble internet. Je dis bah non, en bas, nous on a internet sur l'ordinateur, sur la télé. Moi, mon téléphone ça fonctionne. Camille Mathieu ça fonctionne. Alex ça fonctionne. Mel ça fonctionne plus sur son téléphone. Et Chouchou dans la chambre ça fonctionnait plus non plus. On sait pas pourquoi. Ouais, mais là, il me trouve plus du tout le réseau. Ça recommence. Franchement, je comprends pas du tout. Et même Camille, elle a regardé. Elle m'a dit c'est peut-être parce qu'il n'y a plus d'espace dans son téléphone. C'est écrit que ça peut endommager des données, je sais pas quoi. Donc on a transféré des vidéos sur le PC. Ça fonctionne toujours pas. Non, ça ne veut pas fonctionner. Je sais pas pourquoi. Je comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Je sais pas ce qui se passe avec son téléphone. Ah. Comment puis-je vous aider? Mais je m'en fous de ça. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Même si je désinstalle des applications, là, elle a combien de... Je sais même pas combien elle a de mémoire, du coup. Stockage. Elle a que 1,37 de libre. Je comprends pas. Bref, je vais vous montrer du coup ce que j'ai commencé encore à trier. Elle a tellement de trucs aussi dans son téléphone, mais je vois pas le rapport en fait avec ça. Parce que tout à l'heure dans la salle de bain, ça fonctionnait. Donc, je sais pas. Bref, je vais vous débrancher pour le moment. Hop, faut que je descends les planches du coup du lit à la cave. Les autres planches, on les a mis derrière le... à côté du frigo. Là, je vous dis, j'ai tout débarrassé. J'ai juste mis le siège pour l'instant. Peut-être par la suite, je vais mettre une plante. Bon, là, j'ai perdu mon linge ce matin. Là, c'est Mel qui laisse traîner ses trucs. Et là, du coup, de ce côté... Donc, Princesse, elle est toute propre. Elle est toute propre et elle s'est promenée pendant plus d'une heure. Ah, ma cocotte! Ma fifi, et c'est vrai, tu fais la bouddha, tu fais la bouddha. Elle était toute contente de se promener. Et puis là, du coup, c'est tout ce que j'ai trié. Donc le gros carton ici, j'ai mis tout ce qui était à essayer de vendre là-dedans. Là, c'est le sac de linge que Camille elle a trié, donc ça a donné. Je l'ai pas encore mis en
en don sur mon groupe parce que moi aussi je vais, je pense peut-être retirer. Le sac rouge, c'est tout du linge à Alexis qu'il ne met pas, donc ça je vais pouvoir le mettre. Et là, là-dedans, c'est tout des choses à donner. Donc il y a des choses que je vous avais déjà montrées, mais j'en ai rajouté certaines. Là, j'ai ma filleule qui prend ça, le sac pour fruits et légumes, et la boîte que je vous avais montrée, là, un dîner presque parfait. Donc ma filleule, elle m'a demandé ça. J'ai ma soeur, ça c'est neuf, hein, c'est des démaquillants. J'en ai trois neufs, mais nous on les utilise pas avec Camille. Donc je vais les donner à ma soeur en fait. Comme ça, voilà. Là j'ai un pull et un maillot, ça c'est du 4 ans. Donc je vais donner à ma nièce. Et après, comme je vous ai dit, les tasses elles sont déjà données aussi. Mais j'ai pas fini de trier, bien évidemment. Là j'aimerais. Je sais plus si je vous l'ai dit. Avec le vieux meuble que Camille elle a démonté hier, je crois pas que je vous l'ai dit, je sais plus. Bon, écoutez, si je me répète, je suis désolée parce que ça c'est moi, hein. Je perds la boule, je crois. Avec le vieux meuble, en fait, je vous avais dit que je voulais tester de le mettre à la cave, mais à mon avis, il ne passe pas du tout. Donc j'ai demandé à Chouchou, si c'est à Chouchou, j'ai eu du mal à le dire, si c'était possible de me faire des étagères à la cave. Comme ça, au moins, il y a des choses que je pourrais virer de là, mettre à la cave, stocker à la cave quand même. Et au cas où il y aurait vraiment, parce que nous en fait on a eu de l'humidité parce que la... mes voisins ils ont de l'eau jusqu'en haut de la cave et ma voisine en début d'hiver, même avant je crois, non l'hiver dernier peut-être, je sais plus, elle avait eu de l'eau à la cave aussi. Moi ma cave, je touche du bois, je l'avais touché avant déjà, elle avait toujours été sèche depuis qu'on habite ici, donc depuis 17 ans. Et au final, là on a commencé, je vous ai dit, depuis quelques mois, à avoir de l'humidité, ça commence. Mais nous, comme on avait refait les sols et les murs, du coup, est-ce que sous le sol, parce qu'on a mis droit, parce que normalement c'est voûté, est-ce que du coup il n'y a pas de l'eau en fait? Et c'est peut-être à cause de ça aussi que j'ai de l'humidité. Donc là on met quand même l'appareil. Il y a une de vous qui m'a conseillé, enfin qui m'a envoyé un message sur Insta pour me dire que je pourrais mettre aussi du charbon pour l'humidité. Donc... peut-être que je testerai de mettre un peu de charbon dans des coins à la cave. Là, j'ai débranché le congélateur qui est à la cave parce que bon, il n'y avait plus grand-chose dedans. Donc, ça ne sert à rien de le faire tourner pour rien. Donc, on a tout remonté et on l'a débranché. On le rebranchera peut-être cet été si on achète beaucoup de glace. Mais là, ça ne sert à rien. Et, mais bon, j'ai beaucoup de bordel. Donc, j'aimerais tout trier, tout ranger. De toute façon, j'ai du bordel partout. Hein. Même dans ma tête, je crois que c'est le bordel. Tout trier, tout ranger, que Chouchou m'installe des étagères. Et au cas où vraiment on aurait imaginé de l'eau ou quoi, ça va pas monter non plus d'un coup, ça serait sur les étagères pour pas non plus que j'abîme des choses. Ce qui m'embête là pour l'instant à la cave, c'est la voiture à Mel qui est au sol. Bon, comme je vous dis, de base la cave elle est voûtée, nous on a fait un sol, donc normalement ça devrait pas monter et puis je pense qu'on le verrait quand même avant. Mais au cas où, je vais peut-être mettre même la voiture à Mel en hauteur si je peux. Je vais voir parce que j'ai pas envie non plus que ça s'abîme quoi. Donc, voilà. Il y a des fois ça sent fort l'humidité. Il y a des fois ça sent moins, mais après c'est par rapport au temps aussi dehors et puis par rapport aux caves d'à côté, hein, forcément. Mes voisins, donc juste la cave à côté, elle est inondée jusqu'en haut de ses marches. Donc ben forcément l'eau, vu qu'elle stagne, bah ben, force elle rentre dans les murs et tout aussi. C'est logique en fait. C'est logique. Ici, ben pour l'instant, je sais pas si je vais faire autre chose. En fait, je vous ai pas filmé grand chose, ça m'énerve, mais ça, je vais les descendre. Prends le grand palette. Pour faire quoi, mon cœur? Pourquoi t'as fait ça, chérie? Bah au moins quand je pleurerai, et ben je t'attends. Mais pourquoi tu vas pleurer? Quand je pleure dans la nuit. Mais faut pas pleurer, mon cœur. Mais je te calme. On va couper tes ongles. Maman t'a dit comme t'as pris ton bain, là je vais recouper tes ongles. Si, si, si. Si, si, si. Mais elle a mangé... Qu'est-ce que t'as mangé? T'as mangé des nuggets encore? Elle a mangé des crêpes et elle a mangé de la glace au chocolat. Et la glace, ça lui a fait du bien à sa gorge. Hein. Et je lui ai dit, il faut... Mets-toi pas en gros plan, Mel. Mel, fais pas ça, c'est sale. Je lui ai dit, il faut te moucher, comme ça va te dégager tout en fait. Mais comme elle a du mal à se moucher, bah, du coup, bah, elle ne veut pas se moucher, mais du coup, ça reste encombré là, du coup, ça lui fait mal à sa gorge. Voilà. C'est logique, hein? Bon.
Je vais voir ce que je fais. Je pense que là, déjà, je vais aller finir de débarrasser, de nettoyer peut-être mon plan de travail. Je sais pas, je vais voir. Là, je peux nettoyer le plan de travail. On va nettoyer la table aussi. Enfin, je vais peut-être faire d'autres choses, donc au cas où je vous filme. Sinon, je vous reprends vite fait après, juste au moment de vous coucher. Parce que bon, si j'ai des autres choses à vous montrer un petit peu intéressantes dans ce vlog, je vais essayer de vous les montrer. Mais comme je vous dis, aujourd'hui, franchement, c'est un peu tous les jours, hein, mais aujourd'hui, ça m'a énervé clairement parce que bon, je m'énerve pas, je râle pas, mais c'est ce que je disais à Chouchou. Je dis ça me saoule parce qu'en fait, je peux rien faire. Toutes les 5 minutes, comme je vous ai dit, c'est maman, 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 ça descend, ça met la musique, ça crie, ça se bat, ça voilà. Ça passe devant le téléphone, enfin, voilà. Hein. Donc je ne peux pas filmer comme je veux, ce que je veux. Et je ne peux pas avancer dans ce que je veux non plus à ma maison. Donc ça m'énerve. J'ai l'impression que je tourne en rond, que je ne fais rien, que je sers à rien clairement là. Ça m'énerve. Après, je préfère m'occuper des enfants quand même que de, voilà, hein, de faire du ménage et tout. Mais bon, j'aimerais bien avancer quand même un petit peu. Bon, allez. Peut-être se remotiver un petit peu et je vous reprends au cas où pour vous dire au revoir. Peut-être je vous reprends dans 10 minutes parce que ça va me saouler puis je vais aller me coucher. Désolée, quand je parle trop, j'ai trop mal à la gorge. Et sinon, je vous reprends peut-être dans 2 heures ou je sais pas. Non, non, t'as craqué. Attention, ça clignote. Bon, allez, à toutes. Bon, re-coucou, il est minuit 30. Du coup, bon, ça fait un petit moment quand même. Hein? Il était 22h30, ça fait 2 heures. J'ai descendu les planches à la cave. J'ai essayé de chercher mon ruban là. Pour éviter de griffer le sol. Vous savez que j'avais mis en dessous de la table basse. En fait, je voulais en mettre en dessous du canapé parce que quand je le pousse, je raye mon sol. Chouchou m'a dit il est au fond de la cave, mais je ne l'ai pas trouvé. Tant pis, je regarderai ça demain si j'ai le temps. Donc, toute ma vaisselle et mon plan de travail sont rangés. Bon, ma salle à manger, elle est rangée. J'ai juste 2 minutes, mais Liana, s'il te plaît. Et déjà, il est tard. Tu peux rebaisser d'un cran ou pas, s'il te plaît? J'ai juste les cartons et les sacs, comme je vous ai dit, mais ça a donné ou à vendre. Donc, voilà. Bon, après, le plus gros, il est quand même rangé. Aujourd'hui, j'avais accroché mon linge, je vous ai montré, et j'avais relavé 2 oreillers, enfin, une housse et un oreiller. Et j'ai un oreiller qui a perdu de la mousse. Donc, bon, je vais bien nettoyer ma machine. Voilà. C'est pas très, très grave. J'ai encore pas mal de linge à rattraper quand même. Demain, Alexis la fout. Demain, je dois faire les courses parce que je les ai pas faites aujourd'hui. Donc demain, je pense que la journée va passer vite parce que si je dors mal encore cette nuit, que je dors tard, je vais me lever tard. Je vais pas faire grand chose au matin, clairement, voilà. Et puis, après, clairement, il arrive vite 14h45. On part au foot jusqu'à 16h30 voire 17h. Et après, le temps de faire les courses, le drive, machin, il est l'heure de souper. Et puis voilà, la journée, elle va encore passer hyper, hyper vite. Je vais avoir le temps de rien faire de spécial. Je suis en train d'attraper un bouton. Ça doit être à force de... Soit parce que j'étais enrhumée, soit parce que à force de se moucher. Voilà, ça m'énerve, ça me gêne, mais bon. Voilà.
qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Aujourd'hui, j'ai regardé les vidéos de Bébé Bulbeuse comme d'habitude. J'ai regardé les deux vidéos de Véro que j'avais pas vues. J'avais regardé une vidéo de Simplement Moi. C'est tout, je crois. Ouais, il me semble. Là, je vais peut-être regarder le... J'ai beaucoup de vidéos encore à rattraper. Hello Famille, je crois qu'il m'en reste qu'une pour l'instant. Et j'ai plusieurs vidéos à regarder de Indonanou. Mais là, j'ai vu qu'elle avait sorti aussi Produits Terminés. Donc, je vais peut-être regarder celle-ci. Là. Soit je vais regarder les Produits Terminés, soit je vais regarder s'il y a une vidéo d'Hello Famille. J'ai beaucoup de vidéos à rattraper quand même. Véro, je suis à jour. Bébé Pulpeuse, je suis à jour. Kameko, je suis à jour. Mais après les autres, je suis en retard. J'ai beaucoup de vidéos à regarder. Je passe pas beaucoup de temps. Enfin, je passe beaucoup de temps sur mon téléphone à me filmer. Entre parenthèses. Parce que vous, même que vous voyez 3 minutes en accéléré, mais moi, du coup, peut-être j'ai filmé 30 minutes, voire une heure. Donc, je passe beaucoup de temps à filmer. Mais sinon, je passe pas beaucoup, beaucoup de temps à être à regarder des vidéos, en fait. Parce que bah, j'ai pas trop le temps, en fait. Je m'occupe, donc... voilà. En fait, le matin, quand je déjeune, je regarde Bébé Pulpeuse. Ça arrive, genre, comme ce matin, en faisant ma vaisselle et tout, j'ai regardé... le temps que je fasse ma vaisselle, que je bois mon café et tout, j'ai regardé les deux vidéos de Véro. Et après, bah, ça arrive que je regarde une genre en mangeant le soir ou quoi. Mais sinon, voilà. La journée, j'essaye de bouger et de faire ce que je peux. J'ai été aussi à la pharmacie. Mel, elle a pris son bain vers... vers quelle heure elle a été prendre son bain? Vers 16h. Non. Papa, il est rentré à 15h. Il a été se laver. Ouais, je crois que ça doit être vers 16h, 16h30 même. Mais elle a été prendre son bain et moi je suis partie à la pharmacie avec Camille, mon nez est bouché. Et j'ai acheté du Doliprane pour Mel au cas où parce que j'en avais plus. Et comme j'avais pas d'ordonnance, du coup j'ai acheté une bouteille, enfin une, ouais, un Doliprane enfant. Bon, ça va, sans pas si cher que ça, heureusement. Parce que j'avais pas trop le prix. Hein. Moi, j'étais déjà en train de préparer 4-5 euros. Et en fait, j'ai payé 2,40 euros. Bon, on va dire que ça va, c'est assez raisonnable, quoi. Parce que là, clairement, avec la fièvre qu'elle m'avait fait la semaine dernière, plus la fièvre qu'elle m'a refait là cette semaine, le Doliprane qui me restait, il est quasiment parti. Il me restait peut-être là 2 fois et encore. Donc j'ai préféré en racheter un au cas où parce que j'ai pas envie de tomber en panne de Doliprane tout simplement. Mes cheveux sont gros, faudrait que je fasse un shampoing demain. J'ai plein, tout à l'heure j'ai trié aussi tout mon tiroir de maquillage, enfin tout mon tiroir à moi, vous savez que je vous ai déjà montré. En plus j'ai renversé toutes mes boucles d'oreilles et tout. En ce moment j'en mets pas parce que j'avais attrapé super mal aux oreilles. Donc je mets pas de boucle d'oreille en ce moment. De toute façon je me maquillais pas en ce moment non plus parce que vu que je suis malade. Non j'en mets pas pour l'instant. Parce que j'avais eu mal à mes oreilles. Le jour de mon anniversaire j'avais attrapé trop mal à mes oreilles. J'avais porté les boucles d'oreilles de Cyril. Je suis devenue toute rouge et j'ai attrapé trop mal. Pourtant c'est des bonnes, hein. C'est des en argent. J'ai eu trop mal. Mais après moi c'est ce que ma mère elle me disait quand j'étais beaucoup plus jeune. Ah ouais, toute petite, quand elle m'a fait percer les oreilles, en fait, avec de l'or et de l'argent, j'attrapais toujours mal à mes oreilles et il fallait que je porte du toc. Voilà. Le moins cher, en fait, c'est ce qui m'allait le mieux aux oreilles. Donc là, ben, elle m'a pris de l'argent, Cyril. Cyril, je sais que tu vas passer par là. Tu m'as pris de l'argent, mais j'essaierai de les remettre, hein, parce que j'aime beaucoup en plus. Mais je sais pas si je vais réussir à les supporter en fait. C'est ça qui est chiant. Je supporte pas le bon. Je suis bizarre, hein. Je supporte le toc. Mais là, je te dis, quand je les ai mis en vidéo et tout, puis qu'après on allait partir au restaurant, j'ai attrapé super mal. Je les ai enlevés. Je dis, je vais attendre 2 secondes. Et Chouchou et Camille m'ont dit, mais t'es toute rouge. Et j'étais toute rouge, toute l'oreille là en fait.
Du coup, je les ai pas remises après pour aller au restaurant. Et du coup, j'ai plus mis de boucles d'oreilles pour l'instant, mais je vais réessayer quand même. Au pire des cas, j'ai juste, voilà, j'attrape mal sur le cou. Si je vois que je rattrape mal sur le cou et que je redeviens rouge, bah, du coup, je pourrais pas les porter, mais c'est pas grave. Hein. Au pire des cas, il y a une, peut-être une départ. Peut-être pas, je pense pas Camille, parce que Camille, elle est pas trop boucle d'oreilles. Et peut-être Mel plus tard, du coup, bah, elle les gardera pour elle si, si elle les supporte. Je suis dégoûtée parce qu'elles sont trop belles, hein, mais bon. J'ai pas essayé les petites, du coup. J'avais essayé celles en argent, mais j'ai pas essayé les autres. Voilà. Et sinon, il y a une dame qui est passée aussi en début d'après-midi. Récupérer tous des livres de jeux, des coloriages et tout, que j'avais trié aussi et donné. Ah, je vous avais montré, d'ailleurs. Et en même temps, le lit, vous savez, le lit pour les chats, c'est pour une de ses voisines, mais comme elle est hospitalisée, du coup, elle l'a récupéré en même temps. Donc voilà, déjà, ça m'a débarrassé un petit peu. Et je vous avais dit aussi samedi, je sais pas si vous vous rappelez, samedi, je vous ai dit, dans le vlog de samedi, qui est sorti dimanche soir, du coup, je crois, que j'avais été chez ma belle-mère, tout ça, et que je vous ai dit, il y avait la police, parce qu'il y avait dû avoir un accident. Donc ils nous ont fait faire demi-tour, passer par toutes les petites, les petites rues de Douai et tout ça, bref, je vous avais expliqué. Et en fait, bah, y a eu l'article dans la Voix du Nord, ils avaient bouché la rocade pendant plus de 3 heures parce qu'il y a eu un grave accident. Il y a même eu je sais pas s'il y a eu un ou plusieurs décès et des personnes encore gravement blessées. Donc c'est malheureux. En plus, là, apparemment, j'ai vu qu'il y avait une jeune qui était décédée. Et sa sœur, elle est gravement blessée, apparemment. Donc c'est vraiment malheureux, hein, mais bon. La route... ils disent que la route, là, elle est quand même très dangereuse parce qu'il y avait eu un accident déjà quelques jours avant. Et que c'est une route quand même assez dangereuse. Bah, c'est surtout, en fait, parce qu'il n'y a pas de... Il y a 3 voies, mais il n'y a pas de séparation, rien du tout. C'est ce qu'ils expliquaient dans la Voie du Nord. Donc bon, ça coûte quand même la vie. Et puis là, la fille, elle était hyper jeune. Donc bon, c'est vraiment triste. Hein. Je vais finir par plus les prendre, les routes là. Moi, ça fait vraiment peur, en fait. Parce que bah après, comme on dit tout le temps, il y a un accident, après, ça peut être à cause de nous et ou à cause de quelqu'un d'autre. Pas forcément de notre faute. Il y a peut-être toujours quelqu'un qui fait peut-être une bêtise et puis vous êtes là au mauvais moment, oh là, hein, et que du coup bah, vous êtes dedans alors que peut-être vous avez rien fait, mais bon. Donc ça fait un peu peur quand même, quoi. Surtout que là, la route, je sais plus à combien, je crois que c'est limite à 90, mais bon, même à 90, le choc il est horrible quand même. La voiture, elle a fini sur le toit, bah d'ailleurs. Je sais qu'il y a eu des personnes aussi coincées dans leur voiture et tout. Enfin, ça doit être horrible, franchement. Ça doit être horrible. Puis après, la famille derrière et tout, c'est... Assez jeune en plus, déjà dans un accident, mais après, la famille qui est derrière et tout, c'est horrible. Enfin, bref. Est-ce que je voulais vous dire autre chose? Je sais plus. Vu comment je l'entends déjà tousser, elle n'est pas encore en mode vraiment allongée. Je sens que ça va être encore dur cette nuit. Mademoiselle, il est minuit et demi, elle est en train de manger des curlis au fromage. Tu manges des curlis au fromage à minuit et demi? Est-ce que tu trouves ça normal? T'aimes bien. Ah ouais, c'est bon. Hein. Moi, j'en mange pas trop. Enfin, j'en mange pas même. Ça arrive que j'en mange, mais sinon, après, je sais que je vais avoir mal à l'estomac. Donc, j'évite d'en manger. J'ai pas envie d'avoir mal à l'estomac. Du coup, je viens de vous faire le montage du vlog, voir à peu près ce qu'il y avait dedans. Bon, il est pas ouf non plus, mais c'est pas très grave. En tout cas, aujourd'hui, j'ai vu qu'on avait atteint les 1200 abonnés tout pile. Donc, je vous remercie vraiment. Bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles. Merci de vous abonner à notre chaîne. J'espère quand même que nos vidéos, futures vidéos, continueront de vous plaire. Hein. Et bon, après, il y en a, c'est peut-être juste. Il y en a, ils regardent juste, je pense, les retours de course. Bon, après, je vais pas parler trop vite parce que on est à 1200 piles, donc ça peut encore redescendre. Ça arrive souvent, donc voilà.
Mais ça fait trop trop plaisir. On atteint les 1200 abonnés. Ça fait trop plaisir. Et c'est ce que je disais la dernière fois, Camille. Je dis, il y en a, ils montent, mais hyper vite. Quand je vois certaines youtubeuses que moi je suis, je sais pas comment elles ont fait pour monter aussi vite. Bon, après, c'est vrai qu'elles sont, elles sont top. Hein. La preuve, même moi, je suis abonnée à eux parce que je les adore. Il y en a deux en particulier qui sont montées, mais à une vitesse pas possible, quoi. En à peine un an. Et c'est... Je dis à Camille, alors je sais pas si c'est moi ou... Elle me dit, ben non, elle dit, c'est pas toi. Elle dit, parce qu'il doit en avoir plein, en fait, qui sont pas forcément du coup connus, qu'on connaît pas forcément et qu'ils ont peut-être du mal aussi à monter. Bon, puis après, il faut, voilà, il faut plaire aux gens, hein, tout simplement. Hein. Bon, après... En fait, on fait pas ça pour avoir... Moi, je fais pas de concours avec personne. Hein. Attention. On fait pas ça pour forcément avoir plein d'abonnés. Mais ça fait toujours plaisir. Faut pas se le cacher, quoi. Ça fait toujours plaisir de voir monter ses abonnés, quoi. Ça veut dire qu'on plaît quand même, que notre contenu plaît aussi. Et ça fait chaud au cœur, en fait. Bon, après, moi, c'est les commentaires surtout qui me font chaud au cœur. Parce que vous êtes des amours. Bon, après, il y a toujours... Toujours des petits imbéciles qui passent par-ci, par-là, mais ça, il y en aura toujours, c'est pas très grave. Mais les commentaires, en fait, c'est ça qui me fait plaisir. Même là, quand on est malade, bon, moi, je vais quand même mieux. Enfin, j'ai encore ma voix cassée et tout ça, mais ça va quand même beaucoup mieux. Mais c'est pas encore top. Mais même ça, en fait, vous êtes là à prendre des nouvelles, à envoyer des messages, que ce soit, comme je vous ai dit, sur Insta, sur Snap, Messenger, sur YouTube... Et c'est trop gentil, en fait. Vous me donnez des conseils, bah, vous me demandez certains conseils. Après, bah, voilà, moi, si je peux vous apporter des conseils, je vous en apporte. Mais clairement, je me situe pas, vous voyez quoi. Moi, je fais pas... Je suis pas l'intello, enfin... C'est pas être intello, mais... Comment dire. Je suis pas une personne qui sait énormément de choses. C'est pas moi qui va vous apprendre à faire du ménage ou des astuces de grand-mère ou autre. C'est pas moi qui va conseiller qui que ce soit, hein. Attention, moi je fais tout à ma façon. Les conseils sont les bienvenus, mais en principe je suis quelqu'un qui, bah, j'écoute les personnes, mais je fais à ma façon. Voilà, je suis comme ça. Après, je vous écoute quand même, et des fois ça m'aide pour certains trucs, ça peut m'aider pour certains trucs. Voilà. Grâce à vous, par exemple, une chose toute bête, j'ai réussi à avoir mes parois de douche à peu près nickel. Qu'est-ce que je peux encore dire grâce à vous? Grâce à vous, j'ai repris un peu confiance en moi. Faut pas abuser non plus, hein. Mais j'ai repris un peu confiance en moi parce que, ben, grâce à vos messages, en fait. Et puis, ben, grâce à vous, je rencontre tellement de bonnes personnes. Donc, ça fait trop plaisir, en fait. Ça fait trop, trop plaisir. J'ai un truc qui me fait mal, là. Je sais pas si c'est à l'intérieur, mais... Enfin bref, je vais arrêter de papoter parce que ça fait longtemps que je papote comme d'habitude. Audrey et sa gamelle. Que serait Audrey sans sa gamelle? Je vais peut-être mettre ça dans le titre. Que serait Audrey sans sa gamelle? Et je serais malheureuse. Si je pourrais pas parler, mais je serais malheureuse. Oh, j'aime trop parler. Même toute seule. Je parle pas toute seule parce que je sais que vous allez me répondre, mais... J'aime bien parler. C'est vrai que j'aime beaucoup parler, en fait. Bon, après, c'est pas forcément un défaut, hein, d'aimer parler. Au contraire. Ma fille, elle me calcule pas. Elle s'en fout, mais elle s'en fout. Elle a fond dans son dessin animé. Elle mange ses curly au fromage. Elle s'est retournée d'un seul coup. Mais elle a un nion tout là. Hop. Parce qu'elle a encore fait des bêtises. Elle n'a pas fait des bêtises, mais elle n'a pas de chance en ce moment. Elle était malade. Elle est retombée malade. Je vous ai dit, c'était quand
hier ou avant-hier qu'elle s'est pris la table, donc elle s'était fait super mal à son poignet. Et là, elle joue avec son cerceau. Je sais pas ce qu'elle a foutu avec son cerceau. Comment t'as fait? Tu l'as levé d'un coup? Elle s'en fout. Voilà, elle a fait ça. En fait, elle s'est pris le cerceau juste là, à l'œil. Donc, elle est toute rouge en dessous de l'œil. Elle était un peu gonflée, donc elle a mis de l'eau. Mais je dis, mais toi, arrête, ne bouge plus. Ne bouge plus. Pareil, Mimi, elle l'avait griffé hier ou avant-hier. Sur, au niveau de la poitrine, elle l'avait bien griffé. J'ai dit, toi, en ce moment, t'as pas de chance. Ah, elle est là, je vous jure. Regarde Mathieu, Mathieu est descendu. Mathieu aujourd'hui c'est le grand jour, il veut se montrer. La blague du soir. Bon du coup je vous laisse parce que là ça fait plus presque 20 minutes que je parle pour pas dire grand chose. J'ai faim. J'ai faim. Pourtant on a bien mangé non? Qu'est-ce qu'on a mangé? Non mais pâtes, boulettes, moi aussi j'ai encore faim. Les pâtes avec des œufs, moi j'ai mangé. Mais j'ai faim là. Bah, j'ai en plus, j'ai mangé une danette après. Oh, j'ai faim. Bah, j'ai faim. Mais bon, il est presque 1h du matin, je vais pas en manger. Et donc elle te donne des curlis au fromage. Non, mais elle me donne pas des curlis au fromage. Elle veut que tu les ranges. Ouais, c'est... Bon, allez, je vous laisse. Je vous c'est souhaite bon. Une bonne nuit, une bonne soirée. Bah, je vous souhaite un bon jeudi, puisque vous allez voir cette vidéo mercredi soir. Je vous fais des gros bisous. Ah non, tu recommences pas. De toute façon, t'es même pas avec moi dans la vidéo. Je vous fais des gros bisous. Regardez-la, sa grosse gamelle. Et je vous dis à demain pour le prochain vlog.